L'affaire Musulin commence le 5 novembre dernier à Lyon, lorsque ce convoyeur de fonds de la société Loomis parvient à dérober un fourgon contenant 11,5 millions d'euros. Premier rebondissement, deux jours plus tard, les policiers retrouvent une grande partie du butin, soit 9 millions, dans un garage que le fuyard avait loué sous un faux nom, route de Vienne. Le procureur affirme alors privilégier la thèse d'un homme agissant en solitaire. On évoque aussi une possible fuite avec les 2,5 millions restants, peut-être en Europe de l'Est, où Musulin aurait de la famille. Une chose est sûre, le convoyeur avait bien préparé son coup. Son appartement où il vivait seul à Villeurbanne avait été entièrement vidé, de même que ses comptes en banque. Interpol avait bien sûr diffusé un avis de recherche à ses 185 pays membres. Aujourd'hui, on apprend donc que Tony Musulin s'est rendu de lui-même à la police de Monaco. Selon les conventions en vigueur, il devrait être remis très vite à la police française. Selon une source proche de l'enquête, son arrivée à la PJ de Lyon pourrait même se faire dans la soirée. Selon les policiers monégasques qui l'ont entendu, le fuyard semblait dans un état bizarre. On ignore ce qui l'a poussé à cette reddition surprise. Dès son arrivée à l'hôtel de police à Lyon, Musulin sera entendu de nouveau, cette fois par les enquêteurs lyonnais. Un point presse devrait être ensuite organisé.